Bonjour à tous, c'est Invevius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de comment monter la réputation très facilement de l'échange de la pègre. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est un petit peu une vidéo bonus qui va être très courte, c'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment très facile à monter pardon. Donc en gros dans ma dernière vidéo, j'ai parlé un petit peu du fait que dans le bazar du cartel, il y avait des items très intéressants, mais des commentaires se sont un petit peu plaints, entre guillemets, en mode oui, d'accord, sauf que c'est pas pratique parce qu'il faut avoir la réputation au max et du coup il faut avoir ouvert un max de packs. Non, ce n'est pas vrai. Personnellement, alors, où est mon panneau héritage? Voilà, donc c'est dans Reputation. C'est celle-là, Underworld Exchange. Donc c'est échange de la pègre en français. Et comment on la monte au maximum? Alors c'est très simple. Il suffit de trouver une machine de ce type-là. Alors attention à bien faire la différence entre cette machine-là, qui est la Contraband Slot Machine, sur laquelle vous pouvez cliquer. Et cette machine-là, qui est juste simplement une décoration, sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer. Donc... cette déco se trouve dans plein de forteresses, donc vous pouvez aller dans la liste publique, voilà, et vous cherchez des forteresses avec cette petite décoration là, et vous allez trouver une Felucia Stato. Donc hop, on va mettre une Felucia Stato juste ici. Felucia, pardon, hop, tac. Donc voilà ce qu'il vous faut concrètement. Il vous faut elle, Felucia Stato, et une machine comme ça. Vous allez là, vous descendez, et voilà, et vous trouvez un Contraband Coastal Ship pour 5000 crédits. Donc voilà, vous en achetez un certain nombre. Je pense qu'il faut en acheter pour avoir la réputation maxée. Allez, au moins en achetez-en 100. Je vais en acheter quelques-uns pour vous montrer. Voilà, j'en ai acheté 5. Et vous jouez à la machine, donc vous faites clic droit. Hop, voilà, on va gagner des trucs. Très bien. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu tout simplement un truc qui me permet d'avoir de la réputation. Voilà, et je peux rejouer. Je vais le faire 5 fois pour vous montrer un peu. Hop, Contraband Coastal Ship. Voilà, j'ai récupéré mon gain. Là, je l'ai perdu. Et le but, c'est que vous fassiez ça un maximum de fois pour monter votre réputation. Et comme ça, en l'espace de d'une semaine ou deux, vous pouvez avoir votre réputation maxée en gros. Parce que la limite hebdomadaire, c'est 24 000, donc c'est tout de même assez conséquent. Et voilà, j'en ai plus. Mais j'ai récupéré deux trucs, un truc vert et un truc bleu, qui me permettent tout simplement d'avoir des points de réputation. Du coup, j'ai juste à cliquer dessus et ça va me monter ça. Et du coup, vous pouvez en avoir 24 000 par semaine. Et grâce à ça, vous pouvez tout simplement aller au bazar du cartel et bah, du coup acheter tout ce que vous voulez avec les certificats. Et comme vous avez des certificats, alors non, c'est pas ici, c'est ici. Comme vous avez des certificats avec ça, bah forcément, quand vous avez votre réput maxé et que en plus vous recevez des certificats là, c'est le combo, vous avez tout gagné. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et j'espère qu'elle va vous aider. Personnellement, je suis assez content d'avoir trouvé cette astuce. Mais bon, après, ça fait déjà un bout de temps que je la connais. Et du coup, si jamais vous ne trouvez pas de ce genre de machine dans la liste publique des forteresses, vous me demandez, vous me MP. Voilà, mon héritage, c'est Cobain. En général, je suis dans la guilde voilà, Saltino Spicy. Vous m'envoyez un message, je suis sur Darth Malgus et si je suis connecté, je vous inviterai dans ma forteresse pour que vous puissiez un petit peu utiliser ma machine. Donc voilà, c'était Ambivius. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.